moyens de confiner, reconfiner, redéconfiner. Ça commence à bien faire. La nouvelle de l'instauration d'un nouveau couvre-feu a eu l'effet d'une gifle auprès de la population sénégalaise. Comme le dit Youssef Shahin, un des moyens d'extirper la frustration est sans doute la dérision. C'est fort de cet argument que les internautes se sont déchaînés sur les différentes plateformes sociales après l'annonce de cette nouvelle, et c'est le chef de l'État qui en a payé les frais. La communauté du net n'y est pas allée de main morte avec le président de la République, Macky Sall. Mais dans ce concours de la dérision la plus drôle, attention à ne pas franchir la barrière de l'offense au chef de l'État, qui peut être gravie si l'on se laisse emporter par un sarcasme exacerbé. Un couvre-feu qui rappelle à la population des souvenirs aux sentiments divers. Mais l'événement de cette période qui reste gravé dans les consciences est sans doute les confrontations entre policiers et populations qui ont marqué les esprits des uns et surtout les corps des autres. Bis repetita, s'interroge-t-il, non sans une touche d'ironie, en illustrant cet acte 2 du couvre-feu comme l'annonce d'un film que nous aurons peut-être l'occasion de visionner du haut de notre balcon, à moins que vous ne préfériez être des acteurs. C'est la décision de Dieu, il faut accepter.